Salut, c'est la Team Exit, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est vraiment la vidéo de booster qu'on vous avait promis, enfin d'ouverture, puisque là, c'est surtout des box et une Legendary Collection. Alors, il y a toute la team, sauf Mitsuryu, qui, comme on l'a dit, il est en stand-by. Donc là, accro du jeu. Junk Warrior, RDP, il y a celle de Synchro qui est cachée par la lumière, et il y a moi. Donc, dans le contenu de cette vidéo, parce que c'est la première partie de l'ouverture, la prochaine, c'est la semaine prochaine. Alors, le contenu, deux Tinbox Heliopolis, deux Tinbox Destroyer Destructeur de la Prophétie et une Legendary Collection. Donc, on commence avec la Heliopolis qui est à moi. J'aurais préféré qu'on commence par celle de Junk, mais il n'a pas envie de commencer, donc voilà. Fainéant. Voilà. Voilà la box. Peut-être avoir un ciseau, non? Ouais, comme ça sera plus simple. Peut-être ouvrir le ciseau avant de... D'habitude, c'est pas aussi flex. Voilà. Nouvelle technologie dans l'emballage des boîtes. Alors, comme ça, Junk aura pas à montrer les promos. Oh, il y a Yuma et Astral. Voilà les promos. Oui. Bon, alors le dragon hiératique. Je vais me le garder parce que c'est un rang 8. Le dragon de la vérité corrompu, on s'en fout. Sous appareil, les vierges c'est pour RDP et le lapin sauveteur pour mon classeur. Ensuite, on commence les boosters. On va faire du plus vieux au plus récent. Donc, on commence par avoir du chaos. Et un petit booster. Alors, dans cette tin box, j'espère avoir des bonnes cartes, surtout dans le Seigneur de la Galaxie pour Link. Pourquoi pas des hiératiques, quelque chose comme ça. Ou bien vraiment dans Retour du Dualisme, même si j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Alors c'est parti. On va zoomer un peu. Ah, Evolzor Curious. Un petit Insector. Alors attends. Là c'est... J'arrive ou pas ? Famille est possédée. Hop. Lanceur photon rare. Il n'y a rien dans ce booster. Ensuite, alors les deux Seigneurs de la Galaxie. Non, les trois Seigneurs de la Galaxie. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches exactement à l'intérieur? Moi je cherche rien, c'est John qui cherche des trucs. Oui. Voilà. En rare on a le saut hiératique de la convocation, donc ça. Voilà. Donc, on espère quand même au moins une plus que rare dans cette inbox, sinon ce sera vraiment une box de nul. Encore rien. Les dalles rayons de nuit. Ça sent la box de nul. Ah ouais, ça sent. Ça m'a pas intéressé. Le dernier booster. Tu vas quand avoir un bon Magidolls dans le booster. Donc ça peut... T'as une carte qui est restée dedans. Et forcément, c'est la carte. Wow. C'est vraiment une booster de boîte de Goy. Allez, un petit retour du dualiste. Allez, imaginez. Croisons les doigts. Le booster préféré de l'année 2012 va-t-il nous porter chance? Je le sens mal. Ouais, moi aussi. Il n'y a rien en fait, c'est une tin box de nul. Ouais, voilà. Voilà, donc aucune, que des rares vraiment. Il y avait justement un topic sur notre forum qui parlait de ça, ben voilà. Le sentiment de l'arnaque, ouais, peut-être. Allez. On va laisser Junk ouvrir sa tinbox, donc les promos tu t'en fous et les boosters essaye de faire un peu vite, voilà. Enfin assez vite. Allez, tiens le masque. Vas-y, on va faire. On t'a mâché le travail, on t'a aidé à ouvrir. C'est moi qui l'ai fait tout seul. Non. Si. L'imagination. Bon, ben. T'en avais une, non? Ça. T'en avais une. Attention, ça cherche quoi? Mais non, et allez, va plus vite là. Vas-y, vite. Quelle choisie? Ouais, on porte plus de la chambre. Bon, si jamais t'as brouillard des ténèbres, je te l'échange contre. Si je dégueule. Ah, il commence par une souci par le booster intéressant. Pas pour lui, c'est le seigneur de la galaxie. Ouais, mais pour moi, si. C'est bon, il n'y a pas le choix dans la team. Pas grave. César Photon. Uniprolab. Mais on s'en fout des bras, allez, on a déjà ouvert deux boîtes de ça. Voilà.
C'est rare, mais les pas au même endroit. Si les personnes sont intéressées, ils mettent en pause de toute façon. Donc c'est encore un booster de fou. Nul. Moi je pense que dans un Legendary Collection, au moins ça commencera à briller, non? Bah, c'est sûr, t'es un peu obligé là. C'est un peu obligé quand même. Ouais. Après, faut voir ce que c'est, parce qu'il y a des genres, des cartes tout pourries qui sont secrètes, ouais. Donc... Mode Ghost activé sur une carte commune, avec pas d'effet, tu sais. Un monstre normal. Ouais. Ouais, mais c'est quoi cette inbox? Merde. Bon, ça va, t'as encore beaucoup de boosters, toi. Ouais, bah... Toi aussi, t'as des 10 boosters aussi. Mais on dirait pas qu'ils ont changé le quota de rareté dans les Team Box. Ouais, dès qu'il y a la Team Exceed, en fait, ils arrivent, ils scannent les Team Box, ouais, ils voient ce que c'est. En fait, ils ont repéré l'adresse, là, sur... Ultra jeu, ouais, sur Ultra jeu, ils disent, c'est bon, ça, c'est des bons clients complètement pigeons, on va leur les arnaquer jusqu'au bout. Allez. Et ça brille pas. Quelque chose. Non. Il reste quoi? Un booster? Deux. Déjà, il ne voit pas aussi vite que moi. Pas aussi vite que toi? Ouais. On croit du jeu dans les communes. Ça, c'est utile, non? Je la joue deux fois, hein, et j'ai pas besoin de plus. Allez, oh là là, m'en dire un papy. C'est plus jeune, va-t-il, il va toujours papy junk. Et non, mais c'est abusé, il n'y a vraiment rien dans ces boosters. Ah ben pour une fois, je suis pas déçu de ne pas avoir pris de ce team box à mon tout. Je sais pas, non. Ah non, mais là, c'est surtout pour junk, parce que, bon, les tiens de la galaxie, c'était quand même un espoir d'avoir de bonnes cartes pour son deck erratique. Là, j'avoue, là, il y a quoi de deck, hein. Voilà, limite j'ai pris la tin box pour la pour les promos. Ah, oui, pas mal. Mirren Dragoon en super. Fier de moi là. Bah surtout qu'il y a des MK sera utile pour son deck. Voilà, donc on passe à la suite. Alors maintenant c'est les tin box des Prophecy Destroyer, donc on commence par celle où qu'on partage ou par la mienne? Ouais, c'est qu'on partage comme ça. Ok. Parti à qui, mais en fait, l'honneur. Il faudrait déjà qu'on sache comment se la partage. Bah, moi je veux le zombie minima booster. On les ouvre après, on verra. Moi je veux le destroyer, c'est tout. Moi je veux le zombie. Non, je crois pas que ça sera utile quand même pour vous. Non, je crois pas jouer de zombie, tu vois. Ouais, ça serait un peu chaud quoi. Mais viens de l'autre côté, tu vas être gavé là. Ouais. Je pense qu'on devrait laisser faire junk, comme ça on est sûr d'avoir un maximum de suspense. Bon, synchro, toi tu ouvres les promos, le premier booster et ensuite accro du jeu et moi chacun de booster. Donne-moi le zombie. Non. Elle ne m'abîme pas mon destructeur. Non mais synchro, il y a des ciseaux mais j'utilise ces doigts. C'est parce que je suis un singe, je suis très agile de jouer. Ouais, surtout quand tu joues des cartes. Excellent. Incroyable suspense, Prophecy Destroyer. Des compositions sans fin, Cafard Rune de Chrome, et Riposter Bounzer Photon, et Barrière Infernité. Donc voilà, on les utilise toutes, je crois, sauf Barrière Infernité. Donc je commence avec. Si tu prends des ciseaux, tu vas prendre 10 000. Ouais. Je commence avec le booster Ascension des Abysses. Donc Dragon de Neige. Ouais, je pose. Oh, déjà une secrète. Ouais, bon. Mais elle ne sert pas. Pas mal. De rare. Donc, ouais. message glace, Magidols qui me servira, et Hippocampe du tonnerre. Pose pas la main, s'il te plaît, parce que là, on voit rien. Voilà. Bon, pas mal pour un premier booster. Ah, c'est plus à toi, voilà, à moi. Chacun son tour. Ouais, chacun de. Maintenant, chacun de booster à produire, moi. Bon bah Hippocampe de tonnerre, c'est trop bien, il va nous servir à fond. Dans les échanges. Alors. Aïe. Petite rare. Voilà. Si tu n'as plus rien. Encore un retour du dualiste. Et ensuite. Ah merci. Et Seigneur Galaxy encore. Bon voilà, ça on a vite le faire. Petite rare. Et voilà, maintenant accro du jeu.
Pas couper les pour places. L'instant, c'est vraiment des ouvertures nulles, mais bon. Ouais. Parce que même si on a une secrète, bof, on s'en fout. Ah, il y a quand même un superbe. La chance n'arrive pas tous les jours. Hein. Oh. Bah, la dernière fois, on avait fait quand même une bonne ouverture, mais là. La dernière fois. Non, rien. Et la prochaine fois, on fera une meilleure ouverture. Bon, bah là, pour cette boîte, on peut aller se prendre. Là. Attends, où est-ce qu'il est? J'ai vu l'utilité de la carte qu'on a eue. Bon, on ne vous l'échange que contre nos recherches, bien sûr. Pas déconner. Ah, dame des. Oh, numéro 7. Oh. Ligne de la chance. Ah, ouais, quand même. Secrète, ouais. Pas mal. Attends. Bon, bah, c'est quand même une bonne boîte avec deux secrètes, mais c'est pas. Oh, c'est un elf. Pas, ça nous sert pas trop. Ouais, ça, c'est un truc. Il faut faire des 6 avec un dé. Ah, bah, il est connu pour sa malchance. Ouais, c'est super cool. Et c'est Charlie qui la joue dans Zéol. Ah bon? Ouais, c'est un gars qui s'appelle Charlie. Référence. Enfin, il la joue pas, il la carotte et après il la joue, mais bon. Pareil, même. Ouais. Voilà. On va commencer. Attends, ça on l'ouvre après, commence pas. Ah bah, j'enlève déjà les scotch. Voilà, la tin box et après Legendary Collection de Acro. Voilà. Donc moi, ça c'est ma tin box pour moi tout seul et j'espère avoir de la chance. En prophétie surtout. Alors, il y a un nouveau Yuma et Astral, il monopolise la vidéo. Voilà, maintenant ça c'est les promos que je n'ouvre pas parce que c'est un peu la vérité. Et les boosters, je commence par le moins intéressant. C'est parti. Voilà. Une rare que j'avais déjà, que je joue une fois dans le deck gadget. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, les deux retours du dualiste. Voilà, chevalier de poussière, on aura rien à foutre. Hein. Voilà. Bonjour. Non, mais on n'a pas de chance, c'est pas possible. Allez, Abyss Rising, c'est ça le. C'est pour ça qu'on a fait la commande, alors faudrait pas trop troller là, parce que c'est bien beau que Almi dans cette vidéo ait 3 secrets par inbox, mais nous. Ouais, ok. Ah, je l'avais déjà. Génial. Elle est tellement puissante. C'est trop génial. Hein. À la limite, pour invoquer Dyson Sphere, ça va, mais bon, sinon. Si on l'a pas, ça sert à rien. Et ouais, trop bien. Bon, voilà. La tin box Prophet Disc Destroyer est faite. Et on va terminer par Legendary Collection. Et donc là, tu peux prendre ton temps parce qu'on s'est bien dépêché pour. En fait, reste, ça termine pas encore. Parce que. Tu peux mettre encore quelques ouvertures. Oui, mais. Pour cette vidéo, ça s'achève comme ça. Bonjour. Bonjour. Et là voilà. Bon, je vais pas trop la reculer. Zoom. Avec le tapis de jeu qui n'en est pas un, qui est plutôt un plateau de jeu. Voilà, on va sortir. Bon, je sais pas si. Ah ouais. Enfin, ça va, la lumière va briller dessus, mais bon. On n'a pas vraiment envie de reculer la caméra parce qu'on a déjà. On va dire que Dark Magicien s'est déjà cassé assez la tête pour la placer. Voilà. Je vous explique pas pourquoi. Ça serait donc les promos. Pas trop s'attarder dessus. Je pense que le dragon à 5 têtes m'en servira pas, faudra que je passe à l'échange. Quelqu'un s'en sert. Moi je l'aurais pris s'il avait pas été. Si la fusion du futur avait pas été interdite. Ouais, 2 secondes, j'ai mal à les ouvrir. Ah, tu peux encore le jouer dans le deck dragon, mais il faudrait la carte fusion. Ouais, j'ai pensé à. Une réalisation spéciale. J'ai pensé à tourner mon deck dragon vers un deck fusion, mais pour l'instant ça se fait pas, on verra. Voilà, carte terrain, microfire. Atos, bon, 5 têtes et les 3 jetons. Ouais, ils sont bruyants en plus. Ouais, ils sont. Ils vont pas te mettre des jetons en commune comme promo quand même. Bah, moi j'en avais vu dans une team box, ils étaient comme ça. Ouais, mais bon, ça c'était avant. Voilà. Et ça, c'était avant. Ouais, premier booster méga pack. Non, c'est Yugi. Ça va briller. Ça va briller de la commune. Pour la première fois de toute la vidéo. What the fuck? Ouh. Ça peut vraiment. Attention. Ça rappelle des souvenirs. Attention.
Oh oui, ça c'est beau, hein, comme une table de matière toon qui est jouée dans la Vidia. Protecteur du fardeau. Oh, cet outil du bandit en secret. Oh là là. C'est un truc de fou. Oh punaise, c'est magnifique. J'imagine bien ceux qui font un deck avec que des légendaires collections et qui mettent que des communes dans le genre, tu sais. Du niveau 6, c'est sûr. Ouais, ok, d'accord. Un plus traînant, peigné. Oh, ça c'est beau ça. Ça j'aime bien. Chevalier maître des dragons. Je me demande comment ça se joue. Ouais, bon, corne céleste en secrète, bof. Hein. Moi je l'ai en commune ouais. Donc. Par contre, si tu... moi je te souhaite vraiment de tomber sur un BLS parce que pour ton deck rituel ce serait cheaté. Après, c'est trop cheaté. Moi je le souhaite pas, tu vois. Non, mais toi c'est parce que t'es trop égoïste. Ouais, j'avoue. Hop, ah, désolé, c'est pas bien. Couteau. Waouh, multiplicateur, je l'avais déjà. Et multiplicateur avec polymérisation, sans déconner. Waouh, ça c'est pétant en secret. Ouais, moi, franchement, ouais, même si elle existe en commun, c'est stylé, pas mal. Ouais. En plus, tu peux l'utiliser dans tes decks, donc. Ouais. C'est tout brillant. C'est tout bénin. Même c'est si brillant, c'est quand même mieux d'avoir un BLS. Waouh, deux gardiens, attention. Ah, désolé pour la lumière. Futur deck. Un ancien. Oh, le guerrier d'aîné. Waouh. Oh, la tortue jaune. La tortue ovni. Attention. Allez, encore un booster là. Faut quand même qu'on ait un peu de chance, parce que sinon ce sera la vidéo la plus troll de toutes nos vidéos. En fait, j'ai l'impression que plus les raretés sont élevées, plus les cartes sont pourries, non? C'est ouais. Ça le principe. C'est ça le principe, exactement. Ouais, mais c'est ça dans les légendaires. Enfin, dans les méga pop plutôt. Chaîne. Dans les vidéos d'Ultra Jeu, ils sont toujours là. Ouais, on a que des bonnes cartes achetées. Ah, ça, c'est la meilleure carte de l'édition. Ah, oui. Oh là là. Franchement, waouh! Ah, ouais, bon, et attention, wow, super puissante. Bah, celle-là, elle est utile aussi, mais en secrète, bon, voilà. C'était pas une super. Voici la Legendary Collection, magnifique. Exceptionnelle. Ouais. Bon, c'était pas une super ouverture, mais j'espère que ça vous a plu. Allez. ばかりじゃなく厳しき軌道発散進め彼は世界中照らして今生きてる不意志の連中分の命呼吸合わせて無限の力僕も君照らすから前に進んだ俺は生き当たりばったりじゃなく住まわなくても無敵されないで彼も世界中照らして共に生きてる